Alors j'avais pour ambition de faire un podium, c'est un peu ça mon ambition au départ en arrivant ici. Et puis voilà, une deuxième place, c'est très bien. Alors c'était une course, on était assez nombreux au départ sur un circuit assez technique, avec des endroits assez étroits. On pouvait passer à deux de front maximum. Et donc dans un premier temps, je suis resté assez souvent devant pour être bien placé, pour éviter les accidents. Et alors une fois que c'était un peu écrémé, que le groupe était réduit, à ce moment-là, j'ai plus temporisé, cherché la récupération pour le sprint final. L'équipe belge a une belle densité, en tout cas en termes de niveau. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une belle équipe. On apprend beaucoup de choses, donc toutes les petites astuces pour la compétition, quand on est en course, les astuces pour se positionner, c'est tout du soutien. Et comme je dis toujours, on ne gagne pas tout seul, on gagne en équipe. Et il faut partie de l'équipe, et donc je les remercie aussi pour ça. Je pense que c'est surtout la confiance qu'il devait avoir en lui, parce que je pense qu'il avait quand même, en arrivant ici, il avait quand même les capacités d'être champion du monde. Après, c'était juste une question de confiance et bien gérer sa course. Je pense qu'il a bien fait tout ça, donc voilà, très bien.